Pour moi, toute création est quelque chose qui a à voir avec de la musique. Enfin, on pourrait employer d'autres mots, mais si à mes yeux, ou à mes oreilles, ou à mes sens, une œuvre n'est pas musicale, s'il n'y a pas la bonne musique, elle est ratée. Si ce que tu filmes là, il n'y a pas la bonne musique dans ce que tu fais, c'est pas valable. Maintenant, si je te dessine, moi, il faut que je trouve de quelle manière, qu'est-ce que c'est la musique d'un être humain, comment elle peut être dans mon pinceau par rapport à la musique d'une machine, de la caméra. De quelle manière je vais faire la musique de la caméra, de quelle manière j'arrive à mettre la musique d'un être humain, quelle opposition je vais pouvoir faire? Un être humain, c'est de la peau. Une caméra, une machine, c'est du plastique, ça essaye d'être le plus solide possible. C'est de l'électronique. Comment je peux mettre l'électronique là? Je change ma manière d'être. Change encore de musique. Et mon pinceau doit essayer de revenir à de la peau. Et à la machine. La machine. Et l'homme. La machine. Comme un groupe, sans le silence, il n'y a pas de musique. Ça n'existe pas là, mais il manque quelque chose comme ça. Alors je le fais, je triche, je mens avec la réalité. Voilà, et là le dessin se tient. Quand on a la bonne musique, quand on ne peut pas faire plus, simplement, on s'arrête, quoi. On recommence.